Bonjour tous les chéris. Aujourd'hui, je vous présente un couple de Hollandais absolument adorable. Et j'étais tellement heureuse que le mari parle français vraiment super bien que j'ai pas pu m'empêcher de faire une interview. La seule chose que j'ai oublié de leur demander, parce que bon, voilà quoi, je suis pas une professionnelle, j'ai oublié de leur demander ce qu'ils faisaient à part traîner devant le camping-car. Et en fait, ils sont pas mal comme moi, c'est-à-dire ils recherchent plus les côtés retirés, les côtés village, etc. Et c'est vrai qu'ils n'agissent plus en touristes classiques de visite, etc. Tu vois, par exemple, Cordoba, Séville, bon, voilà, ils n'y vont pas. Ils préfèrent rester en retrait à la campagne ou dans les villages. Allez, je te fais voir ça tout de suite, tout de suite. Impressionnés tous les deux, il est trop mignon. Non, il faut pas que j'oublie de prendre le micro de temps en temps, sinon on va pas m'entendre. Donc là, je suis super contente de vous présenter pour une fois, mes chéris, je vous présente des Hollandais avec qui on va pouvoir parler parce que je te présente d'abord, tout d'abord, Dorothée et son amoureux et mari, Hubert. Dorothée comprend le français, ne sait pas trop parler français, mais surtout Hubert comprend et parle très bien. Ça va, pas très bien, mais ça va. Oh, tu peux me débrouiller, oui. Si, tu te débrouilles très bien. Oui. Donc, on a fait connaissance, on s'était déjà vu cet hiver. Oui. Et là maintenant, ben, on se revoit en Espagne. Oui. C'est ça la vie, hein. Oui, c'est la vie des campeurs, oui. Alors, ça fait combien de temps qu'avec ton amoureuse, vous faites du camping-car? Pendant 2013. Ah, nous ça commence à faire. C'est la deuxième camping-car que nous avons. Le deuxième, nous avons acheté neuf, tout neuf, et il y a presque 4 ans. D'accord. Et oui. Vous en êtes content? Oui, et vous en êtes content? Pardon pour le micro. Oui, nous sommes très contents. C'est une marque française. Il faut être content alors. Je vois ça et attendez les chéris, je vais vous faire rigoler parce que bien sûr c'est un rapido. Oui. Comme Chrissa. Oui. Mais le vôtre il est plus grand que celui de Chrissa. Plus grand, non, que l'autre. Non? Il est plus grand que celui Crissa, je crois. Hein. Ah. Il n'est pas fait de la même façon, il est plus neuf. 1,50 m. Ah oui. Oui, il est plus long parce que celui de Crissa, il fait un peu moins de 7 mètres. Ah oui. Ouais, oui. Ouais. Ah, oui. Et vous en êtes content? Oui, nous sommes très contents. Et vous vivez à peu près combien de temps par an en camping-car? Presque 9 mois. 8 ou 9 mois de l'an. Ah oui. Presque des permanents, quoi. Presque, oui, oui. Nous avons en Hollande encore une maison, un appartement, et là nous sommes pendant 3 ou 4 mois au maximum. Et vous retournez en Hollande à peu près quand, dans les 3 ou 4 mois chez vous? Nous retournons chez nous à la fin du mois de juin et jusqu'à septembre, probablement. Quand nous avons envie de voyager encore, Nous partons encore faire le sud. Donc, c'est pas la peine que je te demande ou demande à Dorothée, est-ce que vous aimez cette vie? Oui, je le demanderai à ma femme, mais on se bevalt het reizen zo. Oui, ça nous plaît beaucoup. Est-ce que tu peux demander à Dorothée, s'il te plaît, qu'est-ce qu'elle aime dans cette vie de camping-cariste? Wat bevalt jou het meeste van het leven in de camper? De vrijheid en het ontspannen leven. La liberté et qu'on n'est pas. C'est une vie pas du tout compliquée. Oui. Et toi, qu'est-ce que tu aimes? Oui, la même, hein? La même. Oui, oui. La même. Chez nous, on a toujours beaucoup de choses
de la vie normale. Et quand on voyage, la vie se passe soi-même. Oui. Et quand il fait beau, on vit en dehors et on s'amuse, on se promène, on fait une promenade à bicyclette. La vie va très vite. Mais de toute façon, les Hollandais, nous, on vous connaît bien pour déjà les bicyclettes, bon ça oui, mais en plus, ça c'est international, les Hollandais, c'est les deux fauteuils dehors, la petite table dehors, et les Hollandais passent leur journée comme ça. Oui, c'est ça. C'est tout qu'on a besoin, oui. Non mais c'est très rigolo parce que je reconnais tout de suite les Hollandais quand je vois les deux fauteuils et la petite table. Ah, oui, ce sont des Hollandais, oui. Ils parlent hollandais, correct, et un peu français. Oui. Et toi, qu'est-ce que tu aimerais dire sur cette vie? Qu'est-ce que tu as envie de dire aux gens qui regardent et qui t'écoutent? Comment je n'ai pas bien compris ça. Qu'est-ce que toi, tu as envie de dire aux gens qui te regardent là maintenant dans la vidéo? Qu'est-ce que tu aimerais dire par rapport à toi, tout simplement, ta vie et tout? Oui, c'est une vie après ma retraite, je suis retraité. Et c'est tout différent qu'en une vie de travail, mais oui, nous... En jouissons, oui. Nous en jouissons beaucoup, beaucoup. Et ce n'est pas une vie plus belle que ça. Oui. Mais de temps en temps, il vient trop de voyageurs en camping-car. Quand on le voit au sud du Portugal, par exemple, en hiver. Ouais, c'est vrai qu'il y a de plus en plus de monde. Trop de monde. Beaucoup d'anglais les dernières années et beaucoup français, beaucoup hollandais, mais un peu trop. Et la vie est très bien encore, mais je ne sais pas comment il sera dans 5 ou 10 ans. Je ne sais pas. Ouais, t'as raison. Oui. C'est vrai qu'il y a de plus en plus de monde. Et dans tout ce monde-là que vous rencontrez tous les deux, est-ce que tu arrives à parler de temps en temps avec des Français, parce que les Français sont connus pour ne pas aimer parler d'autres langues. Est-ce que tu arrives à en trouver quand même de temps en temps? Oui, je sais, je l'entends aussi, mais moi, je parle français. Et je n'ai pas de problème avec les Français. Il y en a aussi des Hollandais qu'on n'aime pas en France, par exemple. Oui, bien sûr. Oui, c'est la même. Bah, de toute façon, il y a toujours, entre pays, il y a toujours des histoires comme ça, hein, oui, tout le temps. Hein. Oui, c'est pas, on l'a partout. Et il y en a aussi des Anglais qui ne sont pas du tout aimés dans certains parties. Oui. Et pour la cuisine, qui s'occupe de la cuisine, Dorothée ou toi? Dorothée. D'accord. Tout à fait. Et j'aide à faire la vaisselle, c'est tout. Oh ben mince, c'est déjà ça. Oui, c'est très dur. Et par rapport à la nourriture, justement, j'ai fait une vidéo pour les Français, parce que beaucoup de Français partent en camping-car et amènent des fois 50, 60 kilos de nourriture française dans les pays. Qu'est-ce que toi, tu en penses? Qu'est-ce que Dorothée en pense? Traduit pour Dorothée si elle ne comprend pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes du genre, vous aussi, à prendre beaucoup de nourriture hollandaise pour aller dans les pays? Dat nemen wij mee uit Nederland. Nee, rien, non. Nee, hagelslag. Oui, c'est un... Oui, hagelslag, mais c'est un nom. Chocolat. Pour la tartine, ce sont des petits morceaux du chocolat et on ne peut pas l'acheter en Espagne et pas en France. Et c'est la seule chose que nous avons. Oui, donc il n'y en a pas pour 50 ou 60 kilos quand même. Non, pas du tout. Non. Nous achetons presque tout. Dans les pays. Oui,
en France et en Hollande, en Espagne, en Portugal, on a Lidl et on peut acheter Lidl, tout. Ouais. Oui. Oui. Dorothée, toi, vous aimez bien aussi Lidl, hein, vous êtes comme moi. Oui. Oui, c'est ça. Et tu as un four dans ton camping-car, Dorothée? Enfin, non, nous n'avons pas un four, mais nous avons un truc, ça semble à un four, c'est un Omnia. C'est un petit truc et c'est très pratique. Et c'est comme un four. Pour un gaz. Et tu le mets, tu le mets sur le gaz. Oui, oui. Ah d'accord, à gaz. D'accord, je ne connais pas. Mais on le met sur le gaz, oui. Sur le fourneau à gaz. C'est rond. Oui. Ah oui, c'est rond. Bah oui, alors oui, je sais comment c'est. Ça ressemble un peu à un moule à Charlotte, mais sans le relief. Sans le relief, parce que le moule à Charlotte, c'est spécial. Ah oui, c'est bien. Probablement, c'est la même. D'accord. Oui. Et quand vous partez pendant les 9 mois que tu m'as dit, vous allez toujours dans les mêmes pays ou vous changez? Nous changeons. L'année dernière, nous sommes à la Grèce. Et l'année avant, nous sommes allés au Maroc. D'accord. Et quand nous avons été à la Grèce, nous sommes repartis en Hollande par Macédonie, Albanie, Monténégro, Yougoslavie. Croatie, oui, et tous les pays là. Et combien de temps vous avez mis pour faire tout ça? Je ne me souviens plus. Deux ou trois mois, je sais. Oui, environ 2 ou 3 mois. J'aime beaucoup la réponse de Hubert qui nous montre encore une fois que les camping-caristes, on n'a plus la mesure du temps. On ne se rend pas trop compte du temps. On n'est pas à compter les jours, à compter les semaines. Oui, c'est ça. Oui, oui. Je ne sais pas quel jour est aujourd'hui. Il me faut le souvenir. C'est magnifique. Oui, c'est magnifique. It's amazing. Oui, oui, c'est ça. Oui. Oui. De vrais nomades. Oui, oui, c'est ça. Oui, oui. Et... Alors, un autre sujet aussi, comment vous faites pour l'eau? Est-ce que vous achetez des bouteilles d'eau à boire ou est-ce que... Oui, vous achetez des bouteilles. Pour boire, nous achetons toujours à l'étranger des bouteilles à boire. Et pourquoi? Parce que vous avez peur de l'eau, par exemple, ici, qu'on a au robinet? Oui, oui, on ne le connaît pas. En Hollande, partout, on peut boire de l'eau du robinet. Mais... à l'Espagne ou au Portugal, on ne le sait pas, on n'est pas sûr. Et c'est très pratique d'acheter de l'eau pour boire dans les bouteilles. Oui, dans les grosses bonbonnes, là aussi. Oui, c'est ça. D'accord. Oui. Au fait, excuse-moi, je reviens sur la Grèce. Vous êtes resté en Grèce pour l'hiver? En Grèce pour l'hiver? Pendant l'hiver, winter? Non, du moins, nous sommes partis au mois d'avril. Nous sommes traversés d'Italie à la Grèce, oui. En bateau. Oui, oui. Et nous sommes restés là-bas jusqu'à la fin du mois de juin, le printemps alors. Et il faisait bon. Je suis super intéressée parce que j'ai envie d'aller en Grèce moi aussi. Oui, le temps était très bon. Oui, oui. C'est un très beau pays. Et pour des camping-cars, c'est magnifique. Mais le long de la mer, parce que nous étions à la Péloponnèse, dans le sud de la Grèce, et nous avons traversé le long de la côte. Mais c'est très bien à faire. Et les gens, tout ça, ils vous ont plu? C'était sympathique? Oui, sympathique, mais je ne parle pas la Grèce, oui. La grecque. Mais oui, la population, oui, très gentille, hein? Adermensch, oui, très gentille, oui. Parce que ça me fait super envie d'aller en Grèce. Oui.
C'est un pays un peu mythique. Oui, oui, c'est ça, oui. Mystique, oui, c'est bien. C'est oui. Important. Oui, oui. Ben, écoute, je crois qu'on a fait le tour. Est-ce que tu veux dire autre chose, Hubert? Ou Dorothée, hein? Comment? Est-ce que tu veux dire autre chose? Non, je ne crois pas. C'était très, très amusant de donner une petite interview. Et oui, je suis très... Si, une question. Une question, parce que je dis toujours les camping-cars modernes et tout. Est-ce qu'il vous arrive d'avoir des petits soucis techniques avec votre camping-car? Oui. Au début, nous avons acheté un camping-car neuf parce que je ne suis pas du tout un technicien. D'accord. Et je croyais que, qu'il n'y aurait pas de problème. Mais c'était un... comment est-ce qu'on dit ça en français, je ne sais pas, mais j'ai eu, oui, de problèmes, j'ai eu des problèmes. Et je suis retourné à la... chez le concessionnaire? Oui, peut-être 5 ou 6 fois, mais maintenant, tout marche et nous sommes très contents. Et dans le Rapido, là, vous l'avez acheté neuf aussi? Oui, et celui-là, il n'y a pas de problème. Oui, avec le Rapido, nous avons eu de problèmes. Mais aussi. Pas de grands problèmes, mais des petits trucs. Mm. Et la première année, nous avons eu le frigo. Voilà. Et nous l'avons... Réparé ou changé? Oui, changé au Portugal. Ah oui, mais il était plus garanti? Oui, oui, c'était la garantie de Dometic. Oui, c'était très, très bien. Oui, oui, oui. Non, parce que c'est vrai que tous les camping-caristes, on a tous des soucis techniques, des petites bricoles, des petits machins, tout le temps, quoi. Donc voilà, n'importe quel pays, tout le monde a la même sauce. Oui, je sais. Oui, oui, je sais. Oui. Donc voilà. Oh, sinon, j'ai discuté un peu avec Hubert et Dorothée. En tout cas, la loi en Hollande est aussi compliquée qu'en France. C'est aussi complexe et on paye en Hollande comme on paye en France. Oui, oui. Je crois que c'est la même qu'en France. Oui, oui. Ça s'appelle pas pareil. C'est tout, mais on paye. Oui, 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 oui. Oui, oui. Bon, ben écoutez, okay. En tout cas, merci beaucoup à vous deux. On va se revoir sur les routes, peut-être. Oui, on ne sait jamais. Merci beaucoup. Gros bisous à vous deux et gros bisous à vous, mes chéris. Ciao, ciao. Ciao, ciao.